différence entre les couleurs et les races. Pourquoi t'on grandit si c'est pour compliquer la vie? Si c'est pour faire la connaissance de la haine et la vengeance. J'ai eu la chance de faire plein de pays, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai vu des adultes, j'ai vu des jeunes, j'ai vu aussi des enfants. Je me suis fait beaucoup d'amis et peut-être des ennemis. Petit à petit j'ai compris et j'imagine Hitler quand il était enfant, c'était un bon petit garçon. Jouait au foot avec les juifs dans la cour de sa maison. Ben Laden aimait les feux d'artifice, passionné des grands édifices. Saddam avait peur de la police, ils ont grandi, tout a changé. Pourquoi t'on grandit si c'est pour compliquer la vie? Si c'est pour faire la différence entre les couleurs et les races. Pourquoi t'on grandit si c'est pour compliquer la vie? Si c'est pour faire la connaissance de la haine et la vengeance. J'ai eu la chance de chanter pour eux. Y'en a qui aiment, y'en a qui aiment pas. Y'en a qui sont fâchés contre moi parce que je dis la vérité. Encore une fois je me suis fait des amis et qui sait des ennemis. Je continue à comprendre et imaginer. Dans l'avion à Hiroshima, ils envoyaient des bonbons là-bas. C'était des ballons, des PlayStation qu'ils apportaient pour les copains. Trulio le Dominicain, son meilleur ami était un Haïtien. Il a grandi, il a changé, 52 000 il a tué. Les enfants n'ont pas de cœur pour haïr, pas assez grand pour trahir.